Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit let's play. Donc, sans plus tarder, on va pas courir par quatre chemins. Voici le let's play du DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ça m'a pris 20 heures pour pouvoir accéder au DLC. Donc, vous êtes mieux de regarder en tabarnak. C'est parti. Alright, comme vous pouvez voir, nous sommes proche de Dogtown, messieurs, dames. C'est laid, c'est moche. Hey, relax, madame. Alright, on a quoi ici, messieurs, dames? Voilà. Bien dit, monsieur l'agent, je suis d'accord avec vous. Tourne faire le trottoir, vieux schnappant. Alright, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver ici, messieurs, dames. Mais ça me dit rien qui vaille. Chercher Songbird. Alright. Comme d'hab, des caisses d'implants Zetatech. Quoi? À livrer à Longchamp Stax? Évidemment, elles entrent vides et ressortent pleines. Putain, toute la ville va grouiller de contrefaçon. Bon, il faut trouver un oiseau, si j'ai compris. Un oiseau qui chante. On va aller parler au bon petit monsieur, hein. À qui il faut parler, tabarnak? Qu'il faut scanner, je pense. Ah, peut-être qu'il faut scanner, hein. C'est toi, ma bonne madame? Non. Peut-être là-bas, ici? Oh! Il se passe quoi, là? Oh, mon Dieu! Hey, c'est l'oiseau, c'est à cause de toi. Compte jusqu'à 10. Récite ton mantra. Mon mantra. Tout ce qui peut te calmer et t'aider à te stabiliser. Ton système nerveux a pris un gros coup et s'est détraqué. Les palpitations, les sueurs froides, tout ça, ça va passer. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? T'es en train de dire quoi là, putain? C'est un piège? Bien au contraire. C'est une main tendue. Je sais que t'as une bombe à retardement dans la tête. Si je pouvais la désarmer maintenant, je le ferais sans hésiter. Tu te sentiras mieux d'ici quelques secondes. V, ça pue la merde. Je crois qu'elle est en train de trafiquer la relique. Ouais, moi aussi, je pense, Johnny, man. Mais elle me... Ah! Quoi? C'est vrai, Johnny. Oh! Mais ne t'en fais pas. Tout ira bien. What? Merde! Avec les deux en même temps sur le protocole de la Biopus, V peut entrer en état de choc, comme tu viens de le voir. C'est quoi ce délire? Wow, yo, elle c'est une sorcière, man. C'est sûr. C'est la seule explication. Comment elle a pu faire ça? C'est impossible. What the fuck? Il fallait que je le fasse taire. Il t'entend, c'est juste qu'il peut plus te répondre. Tu dois être une netrunner. Je crois que je commence à comprendre. Tu dois être une netrunner. Et vraiment douée de ce que j'ai pu voir. On peut rien cacher. Je me suis branché au protocole cognitif de la relique pour te contacter. Je vois et j'entends la même chose que toi. Je me trouve en ce moment même à bord de Space Force One. Et je suis assise face à Rosalind Myers, la présidente des nouveaux États-Unis d'Amérique. Oh. La présidente. Putain. Non, tu rigoles. Je suis on ne peut plus sérieuse. L'avion a été piraté. Il fait route vers Night City. On va nous faire atterrir en urgence à Dogtown d'ici peu. Ah ouais, vous avez pas choisi le bon endroit. Nos communications sont coupées, brouillées probablement. La relique était ma seule option. À l'heure actuelle, tu es notre unique contact au sol. T'es vraiment avec la présidente? Attends, attends. La présidente des NUSA, Rosalind Myers, est là, avec toi? Ouais, elle est assise en face de moi. Yo, passe-la moi. Elle est au courant de la situation. Elle attend que tu acceptes. Moi, je lui aurais dit de me la passer, là. Parce que je lui fais pas vraiment confiance à cette madame-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous aide comment? Et combien de temps on a? Trop peu pour éviter d'atterrir à Dogtown, mais sûrement assez pour minimiser les pertes et sauver quelques vies. Et c'est là que tu entres en jeu. Évidemment. La vie et la sécurité de la présidente, c'est ça ta priorité. Ouais, mais elle a rien fait pour elle moi, là. Elle survivra à l'atterrissage, mais pour ce qui est de Dogtown, j'en suis pas sûr. Tu vas devoir la faire sortir de l'avion, avant que quelqu'un d'autre le fasse. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir de la compagnie sur le site d'atterrissage? Quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, tu t'attends à voir d'autres gens débarquer?
Kurt Hansen, le commandant en chef de Dogtown. Cet homme a mille et une raisons de vouloir récupérer Myers comme otage. Sachant qu'il aurait jamais pu pirater l'avion sans aide extérieure, ça veut dire qu'il y a une taupe à Washington. Mais ce problème-là devra attendre. Vas-y, il y a toujours une taupe à Washington, de toute façon. T'as dit que tu pouvais m'aider, rien n'est gratuit, ça vaut aussi pour mon aide, exact. Rien n'est gratuit, Sandbird. Voilà, petit oiseau. Un peu business. Je crois t'avoir montré un aperçu de mes capacités. C'était seulement un avant-goût. Ah, mais c'est quand même impressionnant. Je peux te soigner, une bonne fois pour toutes. C'est vrai, pour vrai. J'aimerais pouvoir te croire. Ouais, comment savoir si je peux te faire confiance? Pourquoi je te ferais confiance? Tu viens de me filer une crise il y a une minute. C'était un effet secondaire, et je m'en excuse. Si ça peut te réconforter, je saurais me faire pardonner. Hey. Tiens, vois ça. Ok, madame. C'est quoi que tu me donnes? Je vais te débarrasser de tout ça, histoire de faire de la place pour des trucs vraiment utiles. Wow, attends, quoi? Du genre un logiciel de combat Militech, du matos Premios. Ça traînait dans un coin. Ah ouais, c'est incroyable. Vous avez déverrouillé l'arbre des avantages de la relique. Pour accéder aux capacités qu'il propose, vous allez devoir obtenir des points de relique réservés à cet arbre d'avantages. Vous en trouverez dans les terminaux de données de Militech présents à Dogtown. D'accord. Donc, on a des nouveaux points de compétences pour l'arbre de la relique, là, l'arbre des compétences. Donc, on a différentes choses ici, comme vous pouvez le voir, camouflage d'urgence. Donc, en gros, ça va servir un peu comme des pouvoirs. Oh, shit, ça, c'est cool. On peut avoir les lames Mantis, man. Incroyable. Analyse de vulnérabilité. Bon, ben, on en a trois. On va prendre les trois, I guess. Hein? Ou peut-être que non, attendez. Jailbreak. Donc ça, lame Mantis, c'est sûr et certain, il nous faut ça. Camouflage d'urgence, ça pourrait toujours servir. C'est quoi, tunnel de données? Lorsqu'un ennemi est affecté par un piratage rapide transféré par le monocable, blablabla, bla, bla. Ok. On va y aller à camouflage. Ah, merde, on peut pas... Ok! Donc, un seul, ça en coûte 3 points de relique. Oh là là. Ok. Bon, ben, merci, petit oiseau. Merci. Merci, je suppose. C'est pas de la charité. J'ai besoin de toi au meilleur de ta forme. Ok, madame. Bon, écoute, je t'ai seulement donné le squelette, mais le micro-logiciel est sophistiqué. Il apprendra avec toi. Il se perfectionnera si tu lui fournis des données. Alright. Genre des analyses de combat, des journaux dopés légendaires, des trucs qui feraient claquer des genoux le NCPD. Fouine un peu à Docteur. Vas-y. Il faudra déjà que j'y entre. Mm-hmm. Tu peux oublier l'entrée principale. T'as pas d'autorisation pour entrer et j'ai pas le temps de t'en faire une fausse. Tu vas passer par la petite porte, en restant aussi discret que possible. Faudrait pas que tu te fasses repérer ou scanner. Je te suis. Je suppose. Allez, après toi. Alright. Là, je sais pas où est-ce qu'elle va m'amener. Là, on dirait dans les poubelles. Je resterai à tes côtés. Du moins, autant que possible. Ok. Tu vas où, madame? Mais attends, t'as dit que t'allais rester à côté de moi? Bon, ben, j'imagine que c'est à nous de trouver la porte, parking, hein. Là, ouais. La barrière. Ouais, ouais. Les contrebandiers l'utilisaient avant. Maintenant, c'est à ton tour. Ok. Essaie d'entrer discrètement en détournant l'attention des gardes, par exemple. Allez, trouve quelque chose. Ok, madame. On rentre dans les poubelles. Ah ouais. Ça, c'est ma nouvelle maison ici. C'est beau. Ça sent bon. Alright. Oh shit, fuck. Zone hostile. Ok. Je sais pas si la mission, il faut que je la fasse subtilement ou je peux bourriner un peu. Donc, je vais essayer cette version-là, messieurs, dames. On va essayer d'y aller vraiment doucement. Ok, bon, ça commence très mal. Tu peux-tu revenir? Non. J'hallucine ou quoi? Oui, t'as halluciné, y a rien. C'est dans ta tête, man. Oh merde, il vient vers moi, non? Ah ouais, il vient vers moi. Bon, ben déjà, ça commence extrêmement mal pour... Bon! Ben, c'est fini! Hé, hey, monsieur, ton bras, il est coincé. Oh merde! C'est non! La violence, c'est pas gentil! Ok, merde. Au secours. Ah, je vais mourir! Non, non, je meurs pas, hein. Ah non, ça c'est non, ça ici! Ah, non, je vais peut-être mourir, pour vrai. C'est non, oh tabarnak! Ils sont partout! M'aider, m'aider! Repli! Oh là 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 là! Ah ouais, hein! On va tuer l'armée ici, bro! Yo, les mecs, vous êtes combien, tabarnak? Ok, au revoir! Pew!
Putain de merde! Je sais pas, ils étaient combien là, mais. Maintenant, entre. Oh. Cherche un point d'accès au net. Connecte-toi et je pourrai t'aider. Ok, mais on fait quoi des soldats qui sont dehors, Madame Loiseau, là? Il faut que tu descendes au niveau inférieur. Ok, niveau inférieur. Cherche un moyen de descendre. Oui. Moyen de descendre. On peut faire un trou dans le sol, mais... Ah, ok. On pourrait juste enlever la tôle. Oui, en effet. Pardon. Voilà. À présent, cherche une salle de maintenance. Ok. Je suis sûr qu'il y aura une source d'alimentation à l'intérieur. J'imagine. On dirait qu'on est dans le métro, là. Vous avez pas la lumière ici? Il y a quoi ici? Bonjour. Il y a des casiers. Qu'est-ce qu'on a dans les casiers? On a des costumes, on a des vêtements. Des munitions. Ok, ça peut toujours être utile. Et là, on devrait être dans la salle de maintenance. Ah, c'est ça? J'ai un point d'accès, mais pas de courant. Je crois que c'est ça. Hein. Regarde si tu peux le rétablir. Parce que sans ça, je te serais d'aucune utilité. Ouais, mais déjà, tu m'aides pas vraiment. Là. Tu sais, c'est moi qui fais tout, qui cherche tout. Bon, ben vas-y, messieurs, dames, on va trouver comment rétablir le courant. Hein. Hey, on a quoi ici? On a un vieux générateur qu'il faut rallumer. Pas surtout les pitons, mon chum. J'ai allumé un truc. Voilà, c'est fait. Enfin, la lumière fut. Pile ce qu'il nous fallait. Ben oui, je voyais rien, merde. Tu sais, à un moment donné, là, être dans le noir, c'est bien cool. Là, ben... ok, maintenant, il faut se connecter au point d'accès. Ok, c'est bon. Parfait. J'infiltre le système. Vas-y, mademoiselle Loiseau. Des protocoles anciens qui datent carrément de l'âge de pierre. Des données corrompues. Donne-moi une minute. Je dois me connecter à l'un de nos satellites. Ouais, pas de stress. Voyons voir quel réseau actif à Dogtown est relié à cette infrastructure. Ok. Plus qu'à installer une porte dérobée. Et voilà, c'est prêt. On appelle ça une backdoor, madame. Ah ouais, elle est déjà rendue là-bas. Tu peux pas m'attendre, Loiseau? De là, je te guiderai jusqu'au parc. Bon, ouais, attends-moi, là. Vas-y, madame. Attends. Bon, ok. D'abord, t'as piraté la relique. Ensuite, t'as foutu une muselière à Johnny. Et maintenant, tu ramènes un vieux tas de ferraille à la vie. Ça se fait pas juste comme ça. C'est qui t'a formé? Je suis analyste pour les renseignements des NUSA. Alors, ceux qui m'ont formé sont les meilleurs. J'avais environ 13 ans quand un charcuteur près de chez moi m'a vendu une vieille console pourrie. J'ai jamais vraiment quitté le net depuis. Ils ont fini par me remarquer et me prendre sous leur aile. J'ai l'impression que ta petite histoire est pas complète. Je l'imagine plus complexe que ça. Faites bien, ouais. Elle veut pas tout nous dire, hein, la madame. Ben, ce qui est normal en même temps, vu qu'on la connaît pas vraiment, mais je me méfie d'elle à fond. Désolé d'avance, mais faut que je demande. Quoi? Le casque du Konpeki Plaza. Ouais. Pourquoi? C'est pour un ami. Un ami. Ben oui. On travaillait ensemble. Exact. Ce boulot comptait à ses yeux. Je m'en vais où, moi? Faut aller en haut, je pense. Il comptait pour toi, c'est ça? Et. Il a pas survécu. Non, faut aller en bas. Non. Ah, elle parle de Jackie Wells. Oui, oui, elle parle de mon meilleur pote, là. Ça, c'est dommage, en vrai, que Jackie soit mort, là. J'aurais vraiment aimé ça, qu'on soit ensemble. Genre, tout le long du jeu, ou du moins qu'on puisse faire des quêtes avec lui, mais malheureusement, ce n'est jamais arrivé. Ok. J'imagine qu'il faut aller là. C'est pas très clair, les indications, messieurs, dames. Hein, petit oiseau? Atteindre le... Oh! Oh mon dieu! Toujours en vie? Ouais! Malheureusement. Je crois. Ah ouais, là il va falloir faire du parcours! Ah bon? Ah bon? Ah bon? Du parcours! Ou pas. Faut monter par... Faut t'attendre un peu. Ok. Ok. Et au fait, what? On doit s'enlacer, non? De se traîner un rocker boy défriché partout. Ah ça oui! Ça a Ah, oh, oui, oui. Quoi, ça l'a pas fait avec Johnny? Toi, t'es pas fan de Silverhead, c'est ça? Pitié. Samouraï était fini dès leur deuxième album. Faut pas le dire à Johnny, ça. Il va être fâché. Mais oui, en effet, hein, toujours avoir Johnny dans la tête qui parle. C'est chiant, tu vois. Ok, bon, ben j'arrive à comprendre le chemin, là, mais... À chaque fois, il y a des cadavres, là. Il y a des trucs qui m'interpellent, voyez-vous. Oh là là, regardez le loot qu'on a, messieurs, dames. Et le cadavre, c'est qui ça au fait? Il y a plus de 24 heures, rupture de la moelle épinière. Ah ah, il est mort à cause d'une chute. Tu sais, je suis pas un acrobate là. Oh, il faut pousser. Vas-y, pousse.
Mon Dieu, V, que tu es fort, man! Wow! Je m'en fous de la présidente! Comment elle va? Comment elle va? C'est gentil de ta part de demander. Ah, je m'en fous en vrai. Je lui ai fait part de notre plan. Elle m'a calmement répondu. Tenez-moi informé. Ok. De Rosaline tout craché. Elle est assise tranquillement à feuilleter son agenda et à repousser. Ouais, t'as vu, hein? Ben, c'est pour ça qu'on les emmerde. Hein. Elle est imperturbable. Ben oui, c'est ça. Ouais, pis toi, t'es là et moi, je suis là à faire tout ce qu'elle veut. Ah, voilà, c'est ça le gouvernement, I guess. Jump! Voilà. Oh mon dieu. Vite, 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 vite. Ça va tomber, je pense. Vite, vite, vite. Ok, j'ai eu chaud. Enfin, on est rendu. L'oiseau, t'es où, madame? Yes, sir. Ça me rappelle mes débuts. Ah, elle est là. Je cherchais des endroits comme ça. Je configurais une dérivation. Je me connectais et j'allais sur le net clandestinement. Je récupérais les contrats les plus risqués et j'appelais au fur et à mesure. Ah, waouh, c'est téléporté, même. Mais parfois, de temps en temps, il y avait de jolis coups. Genre, t'as un exemple qui a fait le buzz sur les forums? Biotechnica, en 63 ou 64. Piratage officieux d'une usine de fermentation dans l'Oregon. Ça te parle? Pas du tout, non. Ouais. Ça me dit un truc. Mais t'as pas l'air impressionné. Si, si. C'est ma tête quand je suis impressionné. Voilà. Alright. S'introduire à Dogtown par le parking. Quoi? Attention. Ils savent que t'es là. Qui ça? Ils te cherchent. Qui me cherche? Les mecs de tout à l'heure, là, qu'on a abandonné, qui me tiraient dessus? Ah ouais? Ils sont là? Ok. Bon, ben, je crois qu'ils vont avoir une bonne visite, hein? C'est qui? Attends, en fait, c'est qui, ces mecs? C'est... ok, c'est les mecs de l'armée, là. Bon, ben, je crois qu'on n'a pas le choix. On va y aller bourré. On va essayer de le hacker un peu. On va lui faire un surchauffe. Comme ça. Voilà. Let's go! Merde. Ok, il y en a un de mort. Oh merde, lui il est pas mort. Voilà. Bouge pas! Ouh, god damn, headshot, mon gars, tu l'as senti, hein? Ça fait mal, hein? Monte dans l'ascenseur. Attends, madame! Tu seras bientôt à Dogtown. Laisse-moi piller les cadavres, là. D'un coup, ils ont du bon lot. Attends, lui, il est pas mort. Hein? Oh. Oh mon dieu, il s'est levé pour mourir. C'est quand même assez brave de sa part. Vas-y, on y va. Entrez dans l'ascenseur. Let's go. J'espère qu'il va pas en avoir d'autres, là, parce que si tout le monde qu'on a abandonné tout à l'heure se repointe, on est un peu dans le caca. Il faut aller au stade. Non, parking. Oh, au stade. D'accord. Pourquoi il n'y a pas de musique dans l'ascenseur? Madame! T'es un oiseau. Chante-moi de la chanson, s'il vous plaît. Je sais que ça se dit pas, mais on s'en fout. On va recharger juste pour être sûr à 100%, messieurs, dames. Pour pas qu'il y ait d'autres conneries qui se produisent. Et on devrait être arrivé maintenant. C'est par où qu'on doit aller? Derrière moi, d'accord. J'ai bien hâte de voir Dogtown. Je me demande vraiment à quoi ça va ressembler. Je sais pas si on peut aller par là. Oh, il y a quoi ici? J'ai l'impression qu'il y avait du loot, mais... Salut, salut! Où sommes-nous? Aller au marché noir? Pour faire quoi? Cinématique? Oh, c'était une petite cinématique. Yo, c'est ça, Dogtown? Yo, il y a juste des poubelles, man. Ah ouais, on va visiter Dogtown, non? Ok, on a un mec qui fait des sushis ici. Madame qui vend des armes, je crois. Ouais, beaucoup d'armes. On a un mec qui vend de l'alcool. Ah ouais, c'est vraiment un marché, là. Bon, ça a l'air très très pauvre, mais... Des vêtements à droite. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, par contre, j'en ai aucune idée, c'est quoi ici? Hein. Salut.
A może tego, co wszyscy? Mamy vana pełnego przygód dla umysłu. DS-y dla każdego! A, ils vendent des DS! Ou ça doit être des trucs pour pirater, non? Ouais, il faut regarder un peu. Ah non, c'est vraiment, ils vendent des genres de DS, là. Ok, d'accord, ici, ça, on n'avait pas ça, je crois, dans le jeu principal de Cyberpunk. Donc, ce que vous voyez ici, là, ça peut procurer différents avantages. Par exemple, lui, ça, c'est, je pense, un point d'avantage de l'XP solo, XP d'ingénieur, etc. Et pour les trucs divers, par contre, je ne sais pas qu'est-ce que ça sert, mais si jamais vous voulez upgrader votre personnage, vous pouvez le faire directement en achetant des DS, en gros. Ok, c'est pas mal, ça. J'aime bien. Super. Bon, vas-y, on va continuer. Hein. Si j'ai besoin de stock, je repasserai tout à l'heure. Là. Pour l'instant, faut aller parler à l'oiseau. Là. Wow! Je voulais te demander... Quel point c'est grave pour toi? Yo, c'est beau, hein? L'heure tourne, j'abandonne pas, c'est grave. Voilà, l'heure tourne, mais j'abandonne pas. L'heure tourne, et pas qu'un peu. La relique aura ma peau et ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Mais t'es encore là. Exact. À chercher un moyen de survivre, à te battre. Exact. Tu serais prêt à tout donner pour avoir une deuxième chance? Bien sûr. Ouais, clairement. Allez, Oleker, on est ensemble dans cette galère. Bah, ouais, si tu le dis. L'immersion est vraiment nice, hein. Tu te sens vraiment, vraiment dans une autre ville. Je sais pas s'il y a plus à explorer, mais jusqu'à présent, c'est très cool. J'aime bien. Tu te fous de moi? Tu crois qu'il suffit de 5 minutes et d'une poignée de main pour s'offrir la... Ouais, lui, c'est un des méchants, là. Ça n'a rien à branler de la poignée de main. Je suis dans la merde jusqu'au cou, et ça continue de monter. J'ai pas de temps à... Demande, vous êtes la plongée à 6 points? J'aime ça parce que chaque personnage ont leur propre conversation. T'sais, ils sont dans leur monde à eux. Là. Il est temps pour toi de grimper jusqu'au toit. Vas-y! Pourquoi? Assassin's Creed vibe. Pour la vue. Let's go. Et je plaisante pas parce que de là-haut tu pourras littéralement... Assassin! Assassin! Bon, ça a pas marché. Alright, direction le toit, messieurs, dames. Direction le toit, c'est parti! Ouais, je sais pas s'il va y avoir plus de trucs à visiter ou... Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va être très fermé. Hein. Ok, par où il faut aller pour le toit, mademoiselle? Par là. Ascenseur? Aïe! Ah ouais, yo, c'est cool d'être ami avec toi. Oh merde. Et maintenant? Essaie de redémarrer le générateur. Oh là là, pas un autre jeu avec plein de générateurs, tu me niaises là. Voilà. Les problèmes s'enchaînent. Tu casses tout ce que tu pirates. Exact, ça c'est vrai ça. Dans ce coin, la tech est archaïque et fragile. Bah oui, bah écoute. Bien, t'es une bourrine et le matos aime pas ça. Enfin, monte, l'ascenseur va vers le toit. Let's go. Je me demande c'est quoi ça, hein? Info, on s'apprête à un gros réacteur. Passer, qu'en va ma Yaps? Ses documents froidement et calmement. Mais c'est la troisième ou quatrième fois, donc je suis clairement pas la seule à être stressée. Ok, là, ils vont nous faire aller jusqu'en haut pour profiter du paysage. Ça, c'est sûr et certain, là. Ça... C'est ce que je ressens jusqu'à présent, là, tu sais. Pourquoi ils nous feraient monter jusqu'ici? Sauf si la présidente va atterrir sur le toit, ce qui ferait du sens, là, mais... On va voir, on va voir. Voilà, on devrait être rendu maintenant. Super. Pourquoi tu m'as fait venir ici, là? Parfait. Et maintenant? Et maintenant? Ouais. Le calme avant la tempête. Je peux-tu venir avec tu toi? Vois ça? Non, je peux pas. C'est nous. Space Force One. Elle pointe dans le ciel, mais... Ah, là. Ici. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh! 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 Vous êtes dans la merde, hein? Au revoir! Bye bye! Ah ouais! Ah ouais, elles sont dans la merde, grave! Oh! Oh mon dieu! Oh! Là sur moi? Mais non!
Voilà, CD Projekt Red, messieurs, dames, présente Phantom Liberty. Let's go, on y va. Faut aller sauver madame la présidente. Toboggan. Yo, ça c'est incroyable, man. Je réalise un rêve. J'ai toujours voulu faire ça dans ma vie. Bon, peut-être pas tomber dans des poubelles, là, mais tu comprends. Oh mon dieu. Ok, prends la voiture, bro. Ok, pas de voiture, bro. Yo, man, c'est vraiment crasse ici. Ok, fait que finalement, on peut visiter la ville. On peut-tu prendre un véhicule, non? Je vais essayer, Ah oh, oui, on peut. Let's go. Waouh, les textures, hein. Oh putain, Songbird. Tu m'as fait peur. On y va, go, go, go. Ouais, je sais, Oh, c'est beau. Le chat Songbird vient juste de commencer sa 9e vie. Malheureusement, j'ai envoyé Myers dans la cabine sécurisée de l'avion avant de m'éjecter. Fonce jusqu'à l'épave B. Sauve-la. J'y vais, Capitaine. Mais sérieux, Songbird, des missiles? Ils viennent de vous abattre? Putain, j'y crois pas. Yo, regardez les vieilles textures, là. On l'invente pas, c'est Cyberbug ou pas, hein? Elle a l'air déterminée en plus. Faut que tu te dépêches. Et après, est-ce que t'as appris? Eh, j'aurais pu jump. Pauvre Myers, il conduit là à l'Estre Street. Ah, au tabarnak de Calais, tu me niaises-tu? D'accord. Je te recontacterai. C'est quoi ce bordel? Bande de fous! Ben, juste pour ça, mes tabarnak, je vais faire le Street Jump. Tu t'en vas où, toi? Tu vas pas piquer ma voiture, là? Il fait quoi, le mec? Ah ouais, ça c'est Cyberbug, messieurs, dames, de retour, hein. Ça va, monsieur? T'es un homme voiture maintenant? T'as accompli ton rêve? T'es fier de toi? Ben bravo, man. Voilà. Ça c'est un homme voiture, messieurs, dames. C'est beau. Hé, messieurs, dames, je dois passer. Il y a la présidente qui m'attend. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne, bro. Y'a personne, relax. Bon, vas-y, il faut essayer de passer en douce, alors, hein. On n'a pas vraiment le choix, messieurs, dames. Ah! Ça marche plus! Oh shit, ça tire sur moi, tabarnak! Bah c'est non, ça. Tu penses c'est toi qui fais la loi? Bah non. Bah non. Ah ouais, tu y vas, tu vas où? Arrête avec ta lumière, tabarnak, tu m'aveugles. C'est bon, moi j'en ai marre de vos conneries, là. Oh merde, y'a un sniper. Ok, faut faire gaffe, les gars. Il y en a un. Ma merde, je vais mourir. J'ai mis ce clic, putain. Ah ouais, ça va être chaud, hein. Merde, je vois absolument rien. Arrête! Non! Non! Merde. Non, tu fais rien, je recharge, arrête! Voilà, bien joué. On continue. Merde. Ah ouais, lui c'est un petit boss là. Ok, on va le stunt un peu. Voilà. Ah ouais, il a un gros gros gun là en plus. Ok, je sais pas il est où. Ok, go! That's it! On l'a eu. Let's go, on y va! Merde, je vais me clapser! Je vais mourir! C'est pas vrai, je vais pas mourir. Oh putain de merde, yo, ils sont pleins, man! Tabarnak. Tu te fous de ma gueule, bro? Il sort de où, esti? Ok, là, j'en ai marre pour de vrai, là, c'est bon. J'ai dit, j'en ai marre pour de vrai. Ça suffit. Y'a pas d'ennemis, esti. Il est où, le fucking mec? Voilà, mon tabarnak. Vous voulez me faire chier? Oh, merde. Ah, tabarnak! Voilà, mon esti. Mais ouais, mais non, mais c'est grave, bro. Ils sont partout, man. C'est quoi ces conneries de merde? Yo, c'est pas l'armée, ça, tabarnak, esti. C'est le pays au complet qui veut ma mort, man.
Mais c'est bon là! Ah ouais, bro, c'est trop là. Ouais, c'est toi qui pue la merde. Voilà. Mon dieu, man. Eh, vous avez pas idée à quel point c'était chaud, hein. Ah non, c'était trop chaud, ça. Vraiment, j'en ai bavé à fond, là. Grimpe à l'échafaudage. Ouh. Let's go, on y va. Madame la présidente, j'arrive, esti. Je suis là, madame, je suis là. J'espère juste qu'il n'y a pas un boss en haut, là. Je vais en chier encore, là. S'il vous plaît. Ah ouais, ils nous font monter, hein, dans ce jeu-là. Dis-moi pas que c'est là qu'il faut aller, là. Où est-ce qu'il y a la barre... Non, attends. Attends. Attends, l'armée, elle est là, là. Je peux pas y aller, moi. Oh, on est dans la merde, les gars. On est vraiment dans le caca, là. Ben ouais, j'ai vu. On leur a clairement donné un boulot à finir. Et tes gars, toi? À bord, nous comptant Rosaline et moi. Mais combien sont encore en vie, ça par contre. Il va y avoir un moyen de... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Monte sur le bras de la grue, je devrais pouvoir le faire bouger. Quoi? Attends, quoi? Une seconde à perdre. Attends, tu veux que j'aille où, là? Bah non, c'est pas sérieux, là. Ah, je suis pas un Yamakasi pour de vrai, là. Ok, bon ben... Oh non! Bon, on n'a pas le choix, les gars. Ok. Bon, ben... Let's go! Ah ouais! Toi, tu sors de où? C'est quoi ces conneries? Mais il sort de où, le mec? Let's go, on y va! Merde, merde, merde. Ah, ils sont vraiment puissants, les mecs, hein. Wow. Ça, j'ai pas le bon gun là, mais vraiment, ils sont vraiment puissants. Wow, 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 wow. Ok, let's go. Ah, il faudrait... Oh merde, je suis tombé où, merde? What the fuck? Yo, on est où là? Oh mon dieu. Bon ben, au revoir, hein. Ok, je crois qu'on peut pas vraiment tous les buter là. À moins que je me trompe là. Ouais, ma... Oh shit! Ah, c'est le bordel, messieurs, dames. Incroyable. Bon, pas le temps à perdre encore, tabarnak! C'est le bordel, en esti! Bon, ben, je suis mort, tabarnak! Esti! Go, go, go! Ah non, je crois qu'il y a un boss qui vient d'arriver, là. Hey! Voilà, explose! Il est où, lui? Merde, j'arrive pas à le voir. Ok, il y en a un là. Moi, je suis là, coucou! C'est moi! Oh, 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 mon dieu! Let's go, let's go, let's go, on y va. Voilà, super! Bye bye, monsieur! Wouh! Ok, c'était chaud. Toi, t'es pas mort. Là, t'es mort. Madame la présidente, j'arrive! M'en viens! Alright, elle est où, elle est où? Ouais, elle est où, elle est où? Bah attends, il y a des nouveaux guns là ici. L'épave d'un avion spatial. Hey, c'est pas elle? Personne n'est venu m'accueillir. Non, il y a personne, je pense. On arrive trop tard? Je vais jeter un œil. Respire un grand coup, c'est pas encore dit. Laisse-moi jeter un œil. Continue vers le fond, tu trouveras une cabine sécurisée. Je déverrouille la porte. Ah ouais, il y a vraiment eu... il y a beaucoup de morts ici. Hein. Si la présidente, elle a survécu, messieurs, dames, je ne sais vraiment pas comment. Mais vraiment pas. Oi! Oi! Oh mon dieu, madame, vous savez vous battre! Yo! Qui êtes-vous? Vous avez 5 secondes! Je suis là pour vous sauver. Rosaline Myers, je suis là pour régler tous vos problèmes du moment. Je m'appelle V. Vous savez quoi?
Je crois que c'est ma nouvelle lettre préférée de l'alphabet. Madame, vous voulez me marier, s'il vous plaît? Excuse. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Ouais, c'est ouais, Batman. Allez, on fout le camp. Oh, peut-être que là, elle est morte. Madame, madame! Oh, shit, putain! Regarde ça. Elle se relève, elle, tout seule. V, il est à terre, complètement comme une merde. Et la présidente, elle est là. Yo, on s'en va se battre. Yo, elle est gangster, je l'aime bien. Vas-y, madame. Ok. Oh, mon Dieu. T'es tout seul, là. Oh, shit, bro. J'ai besoin de meilleures armes, madame, là. Ok, attends, je vais utiliser mon snipe. Je peux peut-être briser le mecha en faisant un coupe-circuit, je pense. On va essayer. Ah, du moins, ça lui a enlevé beaucoup de dégâts. Ah, ouais. Le mecha, il me fait mal. Ok, on va essayer de prendre une autre position. On peut pas, merde. Oh, shit. Ok, attention, il s'approche, là. Ok. En fait, le mecha, c'est lui qui casse les couilles le plus, je pense. Ouais, mais fais quelque chose aussi, madame la présidente. Là. Ok, on en a eu un. Merde, merde, merde. Wow. Ah, c'est parce qu'il y a un mec juste là, merde. Ok, maintenant, on va y aller bourrer un peu sur le mecha. Là. On va y aller avec surchauffe. Et ça devrait être pas. Ah, même pas. Ok, on a eu le mecha, je pense. Non. Non, mais je sais, madame, il faut partir d'ici, là. Ils sont trop, là. C'est très grave. Merde. J'ai encore besoin de vous. Ouais, mais pousse-toi, tabarnak. Si j'essaie de me couvrir, espèce de malade. Oh my god, man. Ah ouais, les mecs, ils font des acrobaties, man. Ah, c'est rendu fou, ce jeu-là. Ah ouais, je peux même pas montrer le bout de mon nez. Ils me tirent déjà, les mecs, là. Ok, grenade. Hé, madame, je parlerai pas si j'étais toi, ok? Ok, c'est bon. Il devrait plus en rester beaucoup, là. Putain de merde, lui, il est anti-balle, bro. Tabarnak de colisse! Ça finit jamais! Aïe, aïe, aïe! Mais oui, mais je fais ce que je peux, madame! Oh mon Dieu, c'est incroyable! Ok, lui, on va bien l'avoir, là. GG! Ok, on en a eu un autre. Il en reste un, je pense. Madame, est-ce que vous tirez ou... Voilà. Oh, mon Dieu. Non, j'en ai marre. Je peux pas rentrer chez moi, s'il vous plaît. Ah, c'est incroyable, man. Oh, mon Dieu. Ça a été bourrin, messieurs, dames. Wow. Comment ça se passe? J'en ai marre. Tous les deux. Moi, écoute, dirige-toi vers le bâtiment inoccupé sur... Elisabeth Kress, je sais. Je me prends pour qui, là? Vous trouverez pas de meilleure planque. Il n'y a aucune signature thermique. Ça veut dire que le bâtiment est totalement vide. Maintenant, rouillez-vous. Bon, ben, vous avez entendu la madame, messieurs, dames, hein? Il faut se grouiller. On a sauvé la madame présidente, puis elle a pas fait grand-chose, là. J'ai presque tout fait et j'ai failli laisser ma peau une de nombreuses fois, mais ce n'est jamais... C'est arrivé une fois. Donc, messieurs, dames, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce que vous avez vu, donnez-moi un petit like, ça m'aide énormément dans l'algorithme. Et n'oubliez pas de vous abonner, ici on fait de tout. On fait des gaming news, des let's play, des critiques de jeux et toutes sortes de conneries. Non, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, probablement l'épisode 2.
de ce très très beau jeu. Là, j'essaie une nouvelle version de Let's Play pour qu'on soit à fond dans l'immersion, vous et moi, messieurs, dames. Donc, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et... Peace!